Allez, c'est parti. Donc pour l'instant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on observe attentivement la carte et essayer de trouver la position la plus avantageuse pour nous. Alors on sait qu'on va avoir un convoi qui va passer sur cette route, sur ce pont, pour aller venir ravitailler ce dépôt qui se trouve ici. Si on regarde bien la carte, on voit qu'on a un point haut qui se trouve de ce côté-ci, juste avant le pont, un cours d'eau qui se divise en deux. Et ici, on a une espèce de petite île. Et cette petite île va nous servir de base pour notre embuscade. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par positionner et venir miner la route. Donc, on voit bien ce premier point haut, le deuxième point haut, ce qui va nous permettre en fait de tirer dans ce sens-ci, de bloquer l'ennemi par ce point haut, le bloquer par le pont et l'obliger en fait à nous faire face. Alors on va commencer donc par miner. Alors ce que vous pouvez voir, c'est que ici j'ai mis 4 mines anti-char, deux à l'entrée du pont et une de chaque côté pour éventuellement, si un véhicule avait l'idée de déborder le pont, il aurait une petite surprise. Ensuite j'ai mis 3 mines anti-personnel, des claymores orientées de ce côté-ci. Comme ça, si jamais on a des personnels qui débarquent des véhicules, ils se prendront les pieds dedans. Ils auront aussi une petite surprise. Et j'ai fait la même chose à l'arrière du convoi. Parce qu'il faut bien se dire que le premier véhicule sera arrêté ici, mais les autres seront sans doute arrêtés un peu plus loin. Donc voilà, dans un premier temps, placer ces mines intelligemment afin de bloquer et de faire le maximum de dégâts chez l'ennemi. Alors maintenant, ce qui va être important, la deuxième chose, c'est de préparer son chemin de repli, de le connaître, qu'il soit connu par tout le monde, et d'avoir un point de recueil. Alors ici, on peut voir que le chemin de repli sera de l'autre côté du mouvement de terrain, qu'il faudra traverser le cours d'eau, passer sous le pont, prendre plein d'or, et aller jusqu'à ce petit bâtiment. C'est une chose hyper importante, c'est que tout le monde doit connaître ce chemin de repli. Tout cela soit efficace, en fait il va falloir qu'on ait un appui pour pouvoir se replier et il faut aussi qu'il puisse se replier. Donc on va utiliser ce point haut pour mettre un appui feu et pour se replier directement vers le point de recueil. Venir ensuite se positionner avec le groupe anti-char qui se trouvera de ce côté-ci, qui s'occupera en fait du dernier véhicule du convoi. Le groupe d'assaut qui lui arrosera ce qui est entre le dernier véhicule et le premier véhicule qui en principe aura sauté sur les mines et essaiera de faire le maximum de dégâts. Le groupe anti-char lui s'occupera du dernier véhicule. Il faudra qu'il bloque en fait les véhicules qui sont entre le véhicule de tête et le véhicule de queue pour qu'on puisse bloquer tous les véhicules dans cette zone-là. L'appui-feu lui éventuellement nous appuiera et s'occupera des véhicules qui sont à l'intermédiaire. En respectant ce type de schéma, on est sûr de faire le maximum de dégâts dans un minimum de temps et en mettant à l'abri nos personnels. Donc, je répète, reconnaître le chemin qui sera parcouru par l'ennemi, miner ce point en prévoyant que il va éventuellement attaquer sur vos positions. Donc en positionnant des mines anti-personnel le long de la route, bloquer l'accès avec des mines anti-char, positionner vos groupes de façon à couvrir le maximum de voies, reconnaître le chemin de repli et connaître le recueil pour l'ensemble des personnels. Prévoir un appui-feu qui va nous appuyer pendant qu'on sera en train de se replier. En respectant ce schéma, vous ferez le maximum de dégâts en un minimum de temps.
maintenant notre appui-feu va nous couvrir pendant qu'on prend le chemin de repli. Dès qu'on sera passé de l'autre côté du pont, le chef de groupe préviendra l'appui-feu qui lui pourra se permettre de décrocher vers le recueil. Et le groupe d'assaut et le groupe anti-char pourra rejoindre lui aussi le recueil le plus rapidement possible. À partir du point de recueil, on fait un PAM assez rapide pour voir si tout le monde est là, si on a tout le matériel. Et on entame directement un repli. Sur ce, je vous dis à bientôt. À ciao les copains.